Djeniba Djaba. Djeniba Djaba, de l'ivoirienne de Bordeaux, a fait 2 millions de vues en 15 heures. Malox, le Camerounais avec sa musique Vigiane, vient de faire 628 000 vues en 3 heures. N'est-ce pas? Ça, c'est sans compter les j'aime, les abonnements, bref. Ça, c'est seulement au niveau des vues, d'accord? Bon, on va regarder. Djeniba Djaba a pu atteindre combien de vues en une heure? Djeniba Djaba avait eu 2 millions de vues en 15 heures, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en 3 heures, comme Malox, ils avaient combien de vues? On va faire la règle de 3. Parce que vous savez que nous, les habitants du continent, on est aussi plein dans la tête. Donc, on va faire comme ça. Ça multiplié par ça, divisé par ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 millions multiplié par 3. Divisé par 15, ça veut dire que Djeniba Djaba avait 400 000 vues en 3 heures. Bon, si Malox continue dans la même lancée, s'il a pu faire 628 000 vues en 3 heures, ça veut dire qu'approximativement en 15 heures, il peut faire combien de vues? Calculons. On voit que Malox, il a fait 628 000 vues en 3 heures. Ça veut dire qu'approximativement en 15 heures, il peut avoir fait combien? On sait bien que 15, c'est égal à combien? 15, c'est égal à 3 fois 5, n'est-ce pas? Voilà. 15, c'est égal à 3 fois 5. Donc, on va juste multiplier les 628 000 vues 6 fois 5 pour trouver combien de vues approximativement Malox peut avoir fait en 15 heures si nous, les Camerounais, on continue dans la même lancée de la promotion de Viviane. Ça veut dire que là, actuellement, 628 000 vues multipliées par 5, maman, ça veut dire qu'en 15 heures de temps, normalement, Malox doit avoir fait 3 140 000 vues. Ça, c'est en 3 heures, ça, c'est en 15 heures de temps. Donc, si on continue dans la même lancée, en 15 heures de temps, Malox a fait 3 140 000 vues. Donc, ça veut dire que notre objectif de 4 millions de vues en 24 heures, c'est possible. C'est très, très, très possible. Puisqu'on sait très bien que 15... Pardon les Ivoiriens, si vous n'entendez pas ce que j'explique dans la vidéo aussi là, ce n'est pas de ma faute, c'est que nous les habitants du continent là, on a trop fréquenté, d'accord? Puisque les 3 140 000 vues ici, n'est-ce pas? Ce sont le nombre de vues en 15 heures. Si on fait 15 heures, moins 24 heures, non, 24 heures moins 15 heures, ça veut dire que c'est, il reste combien? Il reste 14 là. Moins là, ça veut dire qu'il reste 9. Donc, ça veut dire qu'en 9 heures, on peut encore faire ça fois 2. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 24 heures, on peut faire plus de 4 millions, 5 millions de vues. Combien? Calculons. Calculons, vous savez, ne rêvons pas beaucoup. Donc, ça, c'est 15 heures de temps.
Et on a dit 24 heures moins 15 heures, ça fait 9 heures. Maintenant, 9 heures! 628 000 vues multipliées par 3. Parce qu'on sait tous que 9, c'est égal à 3 fois 3, n'est-ce pas? Multiplié par 3 égale 1 884 000 vues, n'est-ce pas? Donc, ça, ce sont les vues en 15 heures, plus les autres, le reste de vues en 9 heures. Si on additionne, ça veut dire qu'en 24 heures, on peut faire combien? On peut faire plus 3 140 000 vues. Ça veut dire qu'on peut faire 5 millions de vues en 24 heures. On peut! On peut! On sait tous que le peuple camerounais, c'est plus de 29 millions d'habitants. Ici, c'est plus de 29 millions d'habitants, le peuple camerounais. Si chaque personne télécharge la musique et il envoie, ou alors, non, si chaque personne copie le lien de la musique et il envoie à quelqu'un, et la personne ouvre et regarde la musique, met le jet. Mais je vous assure que en 24 heures, on tue tout. On finit tout. On a les gemmes, on finit avec les gemmes, on finit avec les vues. Impossible n'est pas camerounais. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est le nombre de vues qu'on est capable de faire sans l'aide de la belle famille.